Toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve avec Macrintor sur EU4. Salut tout le monde. Donc. Bon, on vous annonce, hein, c'est le troisième départ de notre nouvelle série. Parce qu'on a voulu jouer deux fois avec le mode Nous abrahamisme. Noabrahamisme, et à chaque fois ça plantait quoi. Donc là voilà, on s'est pris une petite partie, on va jouer un, à savoir moi avec le rat, je vais filer la Mongolie, je vais relâcher la Mongolie, et c'est Rekai qui joue avec la Grande Horde, Voilà. avec comme objectif, pour ma part en premier lieu, faire l'Empire Yuan. Lui faire La Horde d'or. la Golden Horde, l'Horde d'Or, et en fait à nous deux refaire essayer de refaire l'Empire mongol. C'est ça. Donc voilà, donc là on va faire les préparatifs. On sait qu'elle a déjà fait, moi je vais le faire Alors, aussi. c'est-à-dire que L'Ouzbek, pour en façon refaire l'Empire mongol, ça veut dire qu'il va falloir que l'on mange tout ce qui est au sud de Novgorod, toute la Lituanie sauf la Lituanie actuelle, le sud de la Pologne, la Valachie, la partie est de l'Ottoman, tout ce qui est au nord du Tigre et de l'Euphrate, jusqu'au Gange, au nord de l'Himalaya et puis ben tout le Ming. En gros jusque-là. Et jusqu'à tout ce qu'il y a en d'accord. l'est, Yeren et compagnie. Donc c'est un gros gros morceau qu'il va falloir faire et unifier. Moi, je fourgue mes. Par contre, truc vraiment pratique, pas besoin de casus belli. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Je rappelle qu'on ça. est des hordes donc on peut faire en mode casus belli. Ouais, bah je casus belli, je vais te casser la gueule. Ça va les bains en casus belli? D'accord, ça marche. Ouais, mais non, mais c'est pas cool C'est ça. pas grave, t'inquiète pas. Là, moi, ce que je fais. Non, grande province. Ah, grande province. Moi, je refourgue mes territoires à comment dire? À la horde au Mongol. Et ensuite, je vais. Faut que je lui grante Iliacite. Je vais le fider, je vais le relâcher. Ensuite, ce que je vais faire, je vais rentrer en tant que toy Du Ming. du Ming, ouais, Kobdo. Je peux pas relâcher Kobdo, non, c'est ma capitale. Merde, on s'en fout quoi en fait. Je suis un vassal du Ming. Enfin, pas vassal, tributaire du C'est ça. Ming. On va pas recruter tout de suite, on va utiliser plutôt l'option. Et nous sommes là. Diplomatie. Non, c'est là. Comment on fait déjà pour le relâcher, le vassal? Je m'en rappelle plus. Comment on relâche notre C'est en vassal? Faut diplomatie. qu'il. Ouais. Tu sélectionnes ton pays, puis tout en bas, t'as l'option créer un sujet. Ouais, mais non, il existe déjà comme Bah, sujet. faut pas, faut, je crois qu'il faut aller dans le sujet, et puis tu fais relâcher, non? Ouais. Non, sur attends, sujet, je me mets dessus. Dans le menu principal, t'as l'option sujet, non? Dans le menu principal, ouais, c'est ouais, le menu sujet, estate et tout, ouais, sujet, je lui ai filé toutes les provinces. Ouais, tu veux pas lui faire libérer? Non, je l'ai pas. Mais diplomatie. J'ai le bouton break vassalisation, mais il me fait pas le truc. Je peux canceller ma vassalisation avec la Mongolie. Il me dit on va perdre toutes les claims patati. Bah, après, sinon, je te dirais on s'en fout, on n'est pas en mode Iron Man. Je vais faire autrement, je vais le relibérer, je vais taguer en C'est tant ça? que. Tu fais libérer puis tu fais switch tag ou je sais plus quel cheat code. Enfin quel pas code. C'est tagué. Ok. Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors là, les tribus, ils sont vénères à On s'en mort. fout. Donc, diplomatie, tac, break vassalization, confirme. Ok, ils sont up hors debug. Ah. Ah putain, mais toujours, on n'a pas les commandes de la Putain. console. Donc Ben après, à ce moment-là, regarde l'autre solution, on sauvegarde la partie, on quitte la partie, on revient et je reviens avec la ok Mongolie. ça marche.
On sauvegarde la partie. Au revoir les gens. Multiserré, voilà. On revient. Serré. Tu réhéberges la game? Ouais. Donc hop, comme ça on vous le fait en direct. Hein. Oui. Là vous allez dire, ouais, ils sont trop gentils. Ouais, c'est surtout qu'en fait que ça gagne du temps sur les 20 minutes d'épisode, c'est pour faire du pognon. Ouais. Ce n'est pas gentil les gens. La gueule du pognon, quoi. Je rappelle que je suis un connard. C'est différent. Donc là, quand tu vois les thunes qu'on gagne sur nos vidéos, comment dire? C'est vrai. On pourrait faire des vidéos de 6 heures, on gagnerait pas de fric. Je suis sûr qu'on ferait une vidéo de gars qui jouent avec des pastèques et on gagnerait plus de fric. Ouais, bah des fois t'en as, tu vois les vidéos qu'ils postent, tu dis mais comment ils peuvent gagner avec du fric avec... Enfin bon, je vois des trucs, je deviens fou des fois. D'ailleurs, on parle de trucs qui te rendraient fou. J'avais une collègue d'anglais qui a demandé à ses élèves de leur faire un petit projet. C'est-à-dire de faire un petit CV original en 2-3 minutes, tu sais, en vidéo, comme ça, ben, il faisait la vidéo et après, ben, il l'envoyait à la prof. Et ben, t'as deux ces connards qui sont fait épingler. Parce qu'il y en a un, il parle pendant 10 secondes et après, ben, il boit de la bière et il a passé une minute entière à rôter. Super. Et l'autre qui a fait une vidéo en CV très très bien, très très bien fait. Hein. Le problème, c'est qu'il était à poil avec le PC qui lui cachait la bite. Oh. Voilà. Tout. Hop, la partie est en cours d'hébergement. Elle est là. Alors attends 2 secondes que je charge la sauvegarde. Voilà, c'est bon, tu peux rejoindre. Ok, donc on va voir. Macrintor, il est ici. Moi, je reprends par contre cette fois-ci, je prends la Mongolie. C'est ça. Tu vas faire une guerre réponse très très rapide, je suppose. Ouais, très très rapide, très très violente. Ensuite, dans la foulée, le Ming, on dit, ah papa, le Ming, je vais être tout tributary. C'est Rikai qui est un gros vicieux, m'a expliqué la technique pour en fait, ben, défoncer les Ming. Et recréer Yuan. Voilà, recréer Yuan. Qu'on vous expliquera une fois que la partie sera lancée, quand même. Ouais, c'est ça. On va vous foutre avec des infos pour l'instant. Moi, je... Quoique si, au moins... En fait, il m'a expliqué. Il m'a dit, donc déjà, le but, c'est faut être tributaire du Ming, sinon il vient et nous défonce. Deuxième truc, faut défoncer les autres autour. Donc si c'est du tributaire et qu'on est tributaire, on peut défoncer. Si c'est pas du tributaire et qu'on est tributaire, on peut défoncer. Donc le tributaire, c'est du tout bénéfique. En plus, quand on voit ce que ça coûte, c'est ridicule. Ouais. Donc on y va, on le défonce pas. Ensuite, je me pencherai, comme je dis à Serikei, sûrement sur les idées coloniales. Ou sinon, que je passe par Caradel, Yarkand, Chagatai, Takata, voilà. On tourne tout le Shinto. On tourne. Et le but, c'est d'être tout seul en frontalier du Ming, d'être son seul voisin, qui n'est que moi. Et après, quand il me dit eh, vas-y, faut payer le tribut, je lui réponds va te faire enculer. Voilà. Faut payer le tribut, je lui réponds 3 fois va te faire enculer au bout d'un moment. C'est bon, t'es trop plus mon tributari. Et là, le problème, comme on disait avec Serikai, c'est que il va avoir tellement d'unrest, enfin de. Pas d'unrest, de pénalité, parce qu'en fait, comme expliquait Serikai, vous savez, le Ming, pour le mandat céleste, il doit avoir, en fait, c'est lié, il doit avoir le nombre de tributari. Mais en fait, c'est pas le nombre, c'est le développement global. Et vu que moi, j'aurai un développement de port, et qu'il aura pas d'autres tributaires qui pourront lui apporter, il va perdre des points, mais comme un goré, quoi. Et le meilleur moment pour faire ça, c'est surtout lorsqu'il a fait une réforme avec son mandat déjà assez bas. Ce qui fait qu'il va se taper les malus en boucle, et qu'il y a un risque d'effondrement sérieux. Donc voilà, j'ai mon armée qui est là, ouais, il a quand même 12 000 hommes, le RAT, pour l'instant. Mm. Donc, première cible, j'hésite, c'est soit la Crimée, soit Kazan. Je suis bien avec l'Ouzbek et Nogai, du coup, ben, voilà. J'hésite à taper la Crimée de manière à pouvoir faire l'émission, l'expansion de Crimée. Notamment sur Azov, Théodoros et compagnie. Ah, c'est vrai que les estates, maintenant, il n'y a plus besoin de leur donner du territoire minimum. Mm. Les tribus... Mais les tribus, je crois que c'est Roxor, c'est du gros bill. Raise host. Oh là là, c'est vrai que. Oh là là. Sartruxon of 5 Eastern Swarm. Pour 0% du coup, 25% du temps. Un général avec 20 traditions. Il gagne de l'influence. Allez. YOLO. Voilà, exactement. Donc voilà, les rivaux, je m'en parle les couilles. Diplomatie. Le Ming, il n'y a que lui qui m'intéresse, les autres, je m'en bats les couilles aussi.
Improvisation. Ok. Donc voilà, pour moi c'est quand tu veux. Est-ce que je peux. Je sais pas si je peux builder du spy network. L'Oirat. L'Oirat n'a pas d'allié. Ah mais je suis. Oui, non, c'est vrai que. Ouais, ok, l'Oirat. Diplomatie. Oui, c'est vrai que je suis con. Le rat, en fait, il peut. C'est vrai que j'ai libéré en tant que vassal, c'est pas. Je joue pas le vassal. Non, je vais mettre. Ouais, si, vitesse 3, on va essayer. Ouais. Ok, allez, j'enlève la pause. Est-ce que j'ai des. Ouais, est-ce que j'ai des missions. Non, moi, j'ai des missions génériques. Ça aussi, c'est un peu le truc, on en parlait avec Serikai. C'est... Les missions, c'est une superbe idée, c'est vraiment un truc qui est très intéressant. Mais le problème, c'est que je trouve ça, moi, ça me tue, c'est de voir les pays qui ont les missions génériques. C'est ça. Alors, oui, dès qu'ils vont sortir un patch, ils vont augmenter les missions génériques. Mais ça, c'est quand même casse-couille, quoi. Tu dirais, attends, t'as pas encore le patch, tu peux pas jouer. Tech Mandate of Heaven. Non, j'ai pas. Diplomatie. Le Ming. Comment on fait pour Become Terre Tributary? Pourquoi tu veux pas Strategic Interest moins 1000? T'inquiète pas, d'ici, ouais. Je pense qu'au prochain mois, ça devrait être bon. Tu m'étonnes, John. Il y avait qui avec Sarik Yogir, le rat? Ah putain, il casse les pieds, c'est allé 15 ans, le trou du cul. Il me. Pile au moment où je voulais lui la voir, le criminel s'est dit non, je mets les 15 ans, désolé. On aurait été pas sur 15 ans. Oh putain de merde. Qui c'est qui me propose une alliance? C'est Yaren. Que dalle, je veux pas de vos alliances, bande de bâtards. Ouzbek. Chagatai. J'aime l'Ouzbek, il est sympa. Est-ce que vous pouvez peut-être mettre en vitesse 2 tant que je fasse ma guerre, s'il te plaît? Ouais, pas de soucis. Merci. Hop. Le Ming m'a déclaré force tributary. Bah, ça me va le Ming. Que tu capitules, tu lui dis je ok. Valide, j'accepte. Ok, ouais, bouge pas le Ming. Oh, le but c'est d'éviter de me mettre de la dévastation sur mon pays. Le Ming, ce serait trop de la balle. C'est vrai, qu'est-ce que je me fais chier à monter des spy network. T'es une horde, tu peux envahir quand tu veux. Tu veux juste dire je veux cramer, voilà, c'est tout. Exactement. Ming Tributary. Voilà. Bien. Pas de soucis. Je suis ton tribu. Je kiffe. Pas de soucis, le Ming. Je suis ton tribu. Je valide. Voilà. Ils vendent du military power. Je vais devoir lui donner 3 de military power pour l'année. Ah, comment dire, ça va quoi. C'est pire comme tribu. Bah ouais. Ensuite, l'Oirat, t'as lié avec qui? Sarik Yogir. Bah. Déclare war. Breaking Truce. J'ai une trousse avec lui, fait chier. C'est qui ça? Caradel. Caradel, c'est un tributary. Il est allié avec Korshin. Ah, ça pourrait être pas mal ça. J'ai d'abord regardé Korshin, il me kiffe. Donc non, va te faire tes yeux, Boritia. Boritia, il y a qui avec Exi. J'attends qu'ils se mettent sur la gueule, tous là-bas. Dès que ça va déclencher, je vais me mettre au mieux, moi je prends la gang. Ah, j'ai un peu déclaré la guerre à ce moment-là. J'ai fait de la merde. Shagata, il est... Ming est en guerre avec qui? Il est en guerre avec quelqu'un d'autre là? Non.
Le mime, par contre, j'ai quand même amélioré mes relations avec lui. Histoire que, si on veut me péter la gueule, il vient de me protéger. De toute façon, ton tributaire, il sera obligé de venir te protéger. Hein. Mais ouais, il est obligé. Ah ouais? De toute façon, il est pas le tributaire direct. Merde. Diplomatie. Putain! Voilà, Korshine, on se retrouve à me taper dessus, on va le laisser venir chez moi, moi je vais défoncer Caradel. Ça se passe bien de ton côté la guerre? Ouais, ça devrait le faire quoi. Putain. 5000 soldats, 8000 cavaliers, je suis quand même bénéficiaire malgré tout. Voilà, ici c'est un truc niveau 1. Ok, on va aller défoncer l'armée de l'autre. Alors le défaut là-bas, c'est le temps de déplacement dans les provinces. Oui, je confirme. Je change de direction, non, on en reparle dans 6 mois. Ah non, mais trop là, t'abuses. Là, avec un peu de chance, il va me faire quoi? Il va me siéger ma capitale, qui est dans les steppes. Moins 0,62, ouais. Putain, on va avoir Genetich. Ah. Je prends la... Ah, j'ai oublié de faire... J'arrive dans le désert de Gobi. C'est le bon roi d'Agobi. Désolé. Tu devrais être. Ouais, j'y peux rien, c'était facile. Ouais, c'est facile. Ouais, c'est bien, ça quand même, j'ai du fric. Ça coûte pas cher. Bon, là, j'ai mis 800 hommes en train de piller Ami. En fait, ils font le siège là-bas, histoire de pas se taper un call for peace. Parce que ma cible principale, c'est quand même à être défoncé, c'est en QI de Oxy. Donc, je les défonce, enfin de Korshine. Et après, je me prends Char, Shengde. Le but, c'est de les. Hop, ouais, il me demande 3 points de militari. Bah vas-y mon gars, prends-les. Donne en Covid. Ah, Eren, est-ce que je vais réussir à les intercepter? Ah, je vais réussir à les intercepter, dirait-on. Voyons, ouais, j'ai réussi à les intercepter, ça c'est une putain de bonne nouvelle. Il a quoi lui? Ah, il a 8000 hommes, 2000 cavaliers, moi j'ai 4000 hommes, 8000 cavaliers. Je pense que techniquement... Ah bah je me fais défoncer, normal. T'as pas de chance, c'est normal. Bah oui, logique. Je vais essayer de pourrir Kazan le plus vite possible, mais là, ce qu'il fout le camp. C'est une casse-pied dans cette guerre Kazan là. Et voilà, je me suis fait défoncer. Glory Seeker, Spare No Expense, Leader Trek Gained. Voilà. Bon, il y a eu le tuning de fin d'épisode. Super. Vous voyez les gens quand ça commence pour moi. Voilà, on va s'arrêter là. Ça veut dire que ça pue. Ça. Ah, ça pue déjà pour moi. Hein. Je vais aller retomber sur le groin là. Voilà. Et je suis dans ce sous-classique où j'ai l'occasion plus de manpower, j'ai perdu la capitale, mon dernier fort se fait assiéger. J'adore, ça commence très bien. On va avoir un bon let's play les gens. Et je suis déjà endetté. Donc voilà, bon, on va s'arrêter, on verra ça au prochain épisode. Là, comme d'hab, hein, les débuts à la série Kaya, à McIntyre. Donc on vous dit au revoir les gens. Ouais. Oui. Salut tout le monde. Allez, ciao, bye.